Il est 13h, il faut aller réveiller Uncharted. Qu'est-ce qu'il faut pour le réveiller? Une bouteille d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est tard et qu'il est en retard. Réveille-toi! Debout! Ok, allez maintenant, on va tourner une vidéo. Ok, on tourne une vidéo. Il faut ouvrir la lumière. Eh, une jolie vue. Hein. Je suis trempé! Ah oui, tu veux ton pré-workout? Quand elle me réveille, je me tire! Et je redors. La technique, c'est s'il me donne pas le pré-workout, je me réveille pas. Le pré-workout. Allez, à se réveiller. Non. Vous connaissez cette substance? Dans 5 minutes, ça fera effet. Je serai réveillé. Bon, tous les matins, les gars, c'est la tête dans le cucu. Hier, on s'est couché à 7h du mat. Danny, le manager, qui est pas content. Attention, c'est normal. Hier, j'ai joué à Fall Guys jusqu'à 7h du matin pour passer niveau 50. Au programme, séance de musculation, tournage Fortnite, tournage Among Us, upload de vidéos. Sans oublier de manger, quand même, ça sera important. Puis le soir, il y aura une petite surprise. Et vous allez voir un truc impressionnant sur mon visage, c'est qu'au fur et à mesure que la journée va avancer, je vais avoir moins la gueule de cul. J'ai hâte vraiment de vous montrer ma journée 24h. Qu'est-ce que c'est d'être youtubeur et tout, quoi. Alors, souvent, le matin, je mange pas trop. Je prends souvent une barre d'énergie ou un fruit comme une banane. Une pomme. Si je mange trop, je me sens boulonné à la salle et je me sens pas bien. Dani, t'es prêt pour la salle? Oui. Let's go. Réflexe. Le pré-workout, il commence à faire une feuille, là, je commence à... On a mis le vêtement de sport. On va traverser Dubaï pour aller à la salle de sport. Allô, oui, le Uber pour aller à la salle de sport? À toutes les filles. L'ascenseur. Les amis, on a rendez-vous avec une nutritionniste pour bien manger des bonnes protéines. Bon, ok, on va à la salle de sport, c'est important. Mais en même temps, c'est aussi très bien de bien manger, sinon c'est rien qu'on s'entraîne, tu vois. Et ensuite, après, on a une séance pectriceps aujourd'hui, ça va faire mal. Il tire? Oui, oui, we are arrived. Température 54 degrés à peu près, je suis déjà en sueur. Oh. Salut les filles! Bon, c'est parti les mecs. Ok, first don't grab the hand. Oh, j'ai pris du poids frère. Wait, measurement is... Je vais pas. Arrête-toi, stop. Alors Dani, t'as pris combien de poids? 78,4 kg. Mec, regarde pas, tu vas stresser et commencer à trembler, ok? So your weight was at 76.4, now it's at 78.4. Bon, on commence un petit peu le training, on fait un petit peu des échauffements. Alors j'ai vu la nutritionniste, elle m'a dit que je mangeais pas assez. Du coup, on prend une petite protéine bar. Je dois avoir à peu près 2700 calories par jour. Je sens que j'y suis pas. On a eu quand même une évolution, c'est cool, on a pris 600 grammes de muscle en un mois et demi. Mais si je veux monter plus loin, faut que je mange plus. Sinon je vais rester au même niveau. Allez Danigo, bon on vient de terminer le cardio, on est parti maintenant pour l'échauffement des petits lolos, les petits pécos. I'm a hustler, I just hit a lick. This that double shift, this that overtime. I'm on my die player, you know I was born to grind. It's for my people standing up until they back hurt. It's for my people standing up, they get the cash, sir. My minimum wage, on my cash. On passe les 40 après. Je vais faire 40 kilos, y'a pas, donc plus je dois faire 42. Mais j'ai jamais fait, et mon record c'est 36. Donc je vais rigoler un peu. J'en peux plus, cette machine elle me détruit. C'est à cause de toi? Non mec, t'es sérieux mec, j'étais en mode vas-y, c'est pas possible, j'en fais que 8. Je crois que c'est la plus pire que j'ai jamais fait de ma vie. Il est bizarre Daniel. Mec, je voyais ma tête se retourner, je te dis. Bon les gars, on va prendre un petit shaker maintenant pour que les muscles grossissent, sinon ça grossit pas. C'est du bulky daddy. Mmh, mmh.
Les gars, il y a du beurre de cacahuète, je déteste ça, je peux pas le manger. Je peux avoir le tien, s'il te plaît, Dani. Au revoir, les gars. À chaque fois que Charles il sort de la salle, qu'est-ce qu'il fait, Charles? Quoi? Charles, il pète. Non, il pète pas. Oh yes, ah, pay, yes. Il doit We payer. Don't pay. Il nous a vu péter comme des gogoles. T'en as oublié de payer. Ça, c'est le premier truc. Deuxième raison pourquoi il y a un manager. À chaque fois qu'on sort de la salle de sport, Charles, il doit récupérer ses affaires, prendre ses AirPods, prendre sa bouteille d'eau et prendre son shaker. Donc à chaque fois, je suis là, Charles, il est où ton shaker? Vas-y, cours. C'est pour ça qu'il y a Dany le manager. Non, mais tu sais, ça, c'est à cause de toi. Parce que tu filmes et du coup, je suis paumé. Mec, ça dure, on va voir. Les voitures de sport. Il y a un magasin à côté de la salle, les gars. Il y a des voitures de ouf. Avec des prix de malade. Mais avant ça. Oh, oh non. Mec, il y a du caca sur la cave. Moi, je trouve que c'est bon. Mais t'es un malade. Les gars, on est fin juin, il Attends. Fait une chaleur. Il fait 39. Non, il fait, t'es miteux, il fait pas 39. Il fait 39. Ouais, mais non, il fait 42 là. Rentre, rentre. Le magasin de voiture est fermé, mais je vous montre des plans maintenant. On y est déjà allé. Faut une chaîne comme ça, je m'achète du lambeau. Ok les mecs, on est retourné de la salle de musculation. Il est où mon cheat meal? J'ai la dalle. Je vais faire un gros caca. Qu'est-ce qu'on va faire? Vidéo. Il y a une mise à jour Fortnite qui est sortie à midi. Il paraît qu'il y a Dark Vador et des motos. Donc on va vite préparer le setup. En même temps, je vais commander à manger. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour tourner une vidéo. Là mec, c'est confidentiel d'ouf, hein, ce que je vous montre les refs. Attention, 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 attention. J'avais prédit l'arrivée parce que j'ai pris un petit costume. Avec ça, ça va être dégueu. Là, là on commence à voir le setup de près. Ça fait depuis peu que maintenant j'ai un troisième écran. Celui-là c'est où je joue, celui-là c'est où je retourne de mon rec. Et là c'est où j'ai le chat. Et là c'est où j'ai des 4 Pokémon à ouvrir. Des dingueries à l'intérieur. Du coup là on est en train de faire la mise à jour Fortnite, ça à 25%. En attendant nous on va aller sur Twitter. Pour demander à ma communauté si je fais la mage Fortnite ou la mage Fall Guys en premier. Parce qu'aujourd'hui en fait c'est mardi et c'est la sortie de Fall Guys gratuit. Vas-y, trop de trucs, du coup j'arrive pas à me décider. Bah en vrai c'est vrai, putain, je sais pas par où commencer. Et là il y a déjà vos retours dessus. Merci les gars pour vos petits messages. Vos petits commentaires. Les deux Fortnite en premier. Fall Guys, on joue ensemble ce soir. Je suis un noob. Ah ben moi aussi. Putain les mecs, il y a une nouvelle arme. Oh my god. Regardez la nouvelle arme. Donc là j'ai un leaker qui me dit comme quoi on peut la trouver au nord de l'Ojam dans un nouveau bâtiment. Donc nous on va récolter toutes ces informations là pour ensuite build en fait une vidéo de A à Z avec mon équipe. Et pour ça j'utilise un logiciel qui s'appelle Trello. C'est des tableurs. Dessus je mets toutes les informations. Fortnite. Y'a de nouveaux skins Naruto. Bon, j'ai la dalle, hein. J'espère la bouffe, elle va arriver. Y'a un boss Dark Vador, mon frère, regardez. Oh my god, les gars. Boss Dark Vador avec le poteau nanas. Y'a trop de nouveautés, cette vidéo, ça va être une dinguerie. T'es les gars, cette mise à jour, il y a même des récompenses gratuites Naruto. Chaque fois que je finis 5 fois dans le top 6, je gagne un badge. Et à la fin, je gagne un planeur Naruto gratuit. Ça, c'est une information très intéressante pour la vidéo. Mise à jour finie. Donc là, j'ai créé un ticket avec toutes les informations de la nouvelle mise à jour. Comme ça, moi, dans la vidéo, je pète. Je suis désolé. Comme ça, moi, dans la vidéo, ben, en fait, je vais jouer ici. Bam. Là, j'aurai mon jeu Fortnite. Là, j'aurai les informations que je vais devoir dire. Et le logiciel qu'il faut que je lance, c'est... Hop là. OBS. What's up, ma fouette de... Comment ça va, ma fouette? C'est le retour de ma caméra. Ou ici, ensuite après, t'as mes pistes audio pour mon micro. Là, j'ai un bouton pour lancer le stream et record. Oh, j'ai eu un nouveau skin. On n'oublie pas, les gars, bouti d'objet. Si on a bien gardé le code Unchained et si on l'a vu une fois toutes les deux semaines, boum, accepté. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code sur Epic Games, que ce soit sur Fortnite, Fall Guys, Raiders Republic. Ça fait plaisir. Livraison. Avec les sacs des jours d'avant et on met les plats du jour au frigo ici. Bon, avant de tourner, j'ai quand même pris une petite douche. On va manger, parce que tourner le ventre vide, c'est pas une bonne idée. Là, ce que vous avez devant vous, c'est des boîtes noires. Dedans, en fait, il y a la bouffe qui arrive, qui est déjà full préparée. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a le nombre de calories, le nombre de protéines, etc. Tu mets ça dans le congélateur et hop, tu manges du poulet, une petite sauce, légumes, et c'est quoi ça? Du quinoa. Et là, on attend. J'ai laissé le ketchup dedans. Frérot, je sais pas si c'est mon David Berk. On mange vite et après on tourne la vidéo, promis. T'as commandé le burger ou pas? Ah, j'en peux plus. Fini de manger, on va se laver les dents. La ville. Soit c'est Romain. Ah, mais peut-être que là c'est Romain. Et soit c'est Wild West. Oh, parce qu'il s'est pas pris.
La ville elle a changé. À chaque début de spawn elle change. Bon les gars, là on est en train de tourner la vidéo Fortnite frérot. Coucou YouTube. Mec viens voir frère. Regarde là où j'ai un Lotus. Tu sais que j'y suis allé et la ville, il y a un bateau pirate de la saison 8. Oh il y a un course de chevaux. Oh là là. Alright, vidéo Fortnite de tournée. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre le véhicule. Je vous présente la trottinette Bullitt XX plus XL. Elle me permet de traverser l'appartement de 2000 m² pour aller voir mes monteurs. Oh là, ça va vite là, oh là. J'arrive, vous êtes où les monteurs? Là ensuite après on passe ici. Donc là on voit un monteur dans un milieu sauvage. Faut pas trop le déranger parce que voilà. Salut, ça va Xissan? Ça va. Donc je vous présente, voilà, compétition de PC 1 qu'il a Xissan. 3090, barrettes de RAM et tout. L'écran de ouf et tout qu'il a pour monter. Et on a tous nos PC qui sont interconnectés. Ce qui fait quand moi je termine une vidéo, il a pas besoin d'envoyer la vidéo. Ça passe par la connexion internet et bam il a déjà la vidéo. Elle est déjà ici sur son logiciel de montage. Donc il peut instant commencer à monter pour perdre zéro temps. Vous pouvez vous souvenir de cette tête, c'est la personne qui monte les vidéos gaming de la chaîne. Alors là, je reprends ma trottinette. Hop, on garde la trottinette. Comment vous allez, monsieur manager? Ah, ça va, hein, tu sais, travail, hein. Ah, mais mec, t'as un setup de malade, toi. Waouh. Je peux gérer les projets en temps réel. Ici, je vois toujours les dernières statistiques de nos vidéos YouTube. Ici, un petit fil d'actu sur Twitter. Il est pas un peu beau gosse, mon manager, quand même. Salut, ça va? Voilà. Donc du coup j'ai récupéré son micro et comme ça de temps en temps quand Unchain a besoin de rec avec moi ou quand on a fait des vidéos ensemble, bah, je peux jouer d'ici. Bien, okay. fais genre on est en train de travailler genre. Donc ça c'est le planning, on fait 7-8 vidéos par semaine à peu près, pas mal chargé, avec tous les jours de la semaine, toutes les vidéos qu'on doit tourner et tout ce qu'on doit faire bien sûr sur YouTube et hors de YouTube aussi dans la vie de tous les jours. T'as fait un peu avec Danny pour savoir comment on va upload les vidéos de ce soir, parce que là j'ai un deuxième tournage à faire sur Fall Guys avec un joueur pro dans 12 minutes. En même temps ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un message à mon Miniamaker pour faire la miniature de la vidéo Fortnite. Salut mon Miniamaker chéri d'amour, comment tu vas? Est-ce que tu serais libre pour que je t'explique la miniature pour la vidéo de ce soir? Bisous. Avant qu'on aille sur Fall Guys, je suis avec le Miniamaker. On est en train de parler en ce moment de comment faire la miniature de ce soir. Ça c'est une miniature qu'on a faite il y a 2 mois, donc on va repartir sur le même style de miniature que celle-ci, sauf qu'on va changer l'arme pour mettre la nouvelle scie à l'intérieur. Je vais te montrer un exemple avec Fall Guys. De base c'était comme ça. Ensuite après on a rajouté les sols. Après on a une idée de mettre la couronne au-dessus. On a tourné un petit peu sa tête. On a changé de couleur. On a rajouté la couronne. J'ai pris ma tête en photo comme un gogol. Et bam, voici ce que ça donne à la fin. Je te laisse continuer la mienne. Tu pourras m'envoyer la V1 avec l'arme d'ici une bonne heure si ça te dérange pas. Et je pars en tournage avec Fall Guys, ok frérot? Vas-y moi. Vas-y, bisous frérot. Bye. Je viens de télécharger Fall Guys. Je vais lancer le rec et le lancer pour découvrir le nouveau pass de combat. Unchain, il est à son deuxième tournage de la journée. Merde, j'ai loupé la balle. J'ai loupé la balle. 4-2-4 par. Non, non, je suis trop nul. J'arrive toujours pas à faire trop bien sur Fall Guys, yeah. Là, ce qui se passe en fait, c'est que je suis en train de jouer avec ce streamer là. C'est un joueur pro Fall Guys et il va m'entraîner. En même temps, il y a mon monteur, il a eu upload de la vidéo gaming sur la chaîne gaming. C'est-à-dire que moi, en fait, je peux tourner des vidéos. Tant que je tourne des vidéos, il y a une autre team qui s'occupe de upload des vidéos. D'ailleurs, là, je devrais faire une story. What's up, my boys? Je viens de sortir une vidéo sur Fortnite sur la mise à jour. Il y a une déchiqueteuse qui est arrivée sur Fortnite. Si on me filme, c'est normal parce que je suis en train de tourner un 24 heures dans ma vie. Tu vas arrêter de me filmer, toi, hein? Allez, clique juste ici, frérot, pour voir la vidéo. Lâche un énorme pouce bleu pour visionnage. Et voilà, on partage, on story, terminé. J'ai vite terminé la vidéo, frérot, et on se retrouve ce soir pour une petite surprise. On va où? On va au 5. Ouais. C'est impossible. Si, je te jure. La salle de bain, c'est comme ça. Ouais, ça, ouais, exactement comme ça. C'est 244 € par nuit. Moi, c'était 800 et quelques la nuit, genre. Ouais, là, c'est 244. Là, là-bas, il est là-bas, le beurre. On va faire la route, faut pas qu'on crève. 100. On est arrivé à l'hôtel, du coup là on va directement dans la petite chambre. C'est parti les gars, on vient d'arriver. Waouh! Ah ouais, pas mal. Punaise. Un canapé. Oh ouais. Ah oui, je vous ai pas dit. Mais si on est là, les gars, c'est pas pour vacances ou quoi. On a pris 7 suites pour un lieu de tournage. Venez voir. C'est immense, hein, frère. Regardez ce couloir. Mais frère. Oh là 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 là. Sympa. Comment les toilettes? Oui, mais mec, je présente, c'est joli quand même. Il veut montrer les toilettes? Ben oui, parce qu'en fait, on a un tournage à faire dans les toilettes. Si les toilettes ne nous convient pas, on va changer de chambre. C'est je sais pas où. Attends, c'est quoi là? Ah là, c'est la chambre. Non, c'est pas les toilettes, hein, malheureusement. Ah! Ça doit être quelque part comme ici. Eh ben non, c'est la douche. Ah! Pas mal. Je pense que ça fait un beau lieu de tournage. Lieu de tournage validé.
Ouais, lieu de tournage vidéo. Attends, attends, parce que là, lieu de tournage, s'ils voient ça, ils vont penser à des choses. Non, c'est lieu de tournage vidéo gaming. Je vais vous expliquer le concept. J'ai une idée de tourner une vidéo. Quels sont les meilleurs jeux à jouer quand t'es sur les chiottes? Du coup, il fallait avoir les meilleures toilettes de tout Dubaï. Là, on va installer light, trépied, trépied. Et puis, ça va être une vidéo banger. Ici, la Ancient Corporation, elle met les moyens pour faire les meilleures vidéos du monde. Tu manques. On valide. On installe le matos parce qu'il est déjà tard. Il est 23h, frérot, je suis perdu. C'est là-bas, je crois. Regardez tout le matos qu'on a pris, frère. Youtubeur, les gars, c'est pas ce qu'on croit, ok? T'es tourné des vidéos dans les toilettes les plus luxueuses du monde. Mais voilà, en 2022, il faut être original, les amis. Ah, premier trépied. Manfrotto. On va tester un petit peu la salle de bain. Ah, plutôt pas mal. Alors, intro. Yo tout le monde, c'est Unchained. Ça, il faut que je l'écrive, j'oublie tout le temps de le dire à chaque fois. Ah, il faut pas que j'oublie de leur dire de s'abonner à la chaîne, c'est très important. Il faut une cam ici et une cam ici. Yes! Test de rec. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va jouer au meilleur jeu dans les toilettes. Me voici directement dans les toilettes de mon appartement que j'ai acheté. Faut vraiment que je me mette en condition. Allez les mecs, on joue, c'est parti! Oh là 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 là! Mec, j'ai vraiment envie de chier! Il me semble qu'on est prêt pour le tournage. Setup fini. Moi, je vais m'installer ici. Un premier plan ici avec la caméra. La lampe ici pour m'illuminer. Une deuxième plan en cam là-bas. Dernier qui est l'ingé son. Voilà. Avec le casque. Avec lights, sans lights. Jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour, nuit. On va manger et ensuite, comme ça, on sera bien pour le tournage. Je vais vous présenter les meilleurs jeux vidéo à jouer quand t'es aux toilettes. Ouais frérot, aux toilettes, vous voulez savoir combien de temps on passe aux toilettes par jour? 1 heure. C'est pour ça les gars que on a ici tout simplement le Saint Graal. Aujourd'hui, best-of de 4 meilleurs jeux quand tu fais caca. Oh, oh l'odeur. Fin de journée? Ouais. Ah, oh, je suis cuit frère. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais dodo. On se dit à la prochaine les gars, j'espère que vous avez kiffé être 24 heures dans ma vie. On espère qu'on n'a pas brisé des rêves. Non, c'est cool. J'aimerais bien savoir si vous pensez que la vie d'un youtubeur c'était ça. Après ça dépend, tous les jours c'est pas forcément comme ça et puis plein de youtubeurs ont une vie totalement différente aussi tu vois. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup connu pour faire du gaming, mais c'est plus un gaming quand même qui fait qu'on n'est pas non plus assis tout le temps sur la chaise. Au contraire, on essaye d'avoir une vie assez équilibrée et se faire kiffer dans plein de styles différents quoi. C'est-à-dire qu'on a une idée dans la tête, on l'a fait tu vois. On veut faire des jeux, les meilleurs jeux sur les toilettes et bien on a trouvé le meilleur moyen de le faire pour vous pouvoir vous le présenter dans un hôtel putain de sympa ouais, qui sera très certainement pas du tout remboursé par la vidéo, mais on s'en fout, les OP nous aident à faire ça tu vois par exemple. On l'investit dans la chaîne. Les gars, j'ai le dodo, je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine les refs, je te laisse faire l'outro Dany, je vais dodo. Lâchez un pouce bleu, merci à tous, oublie pas de vous abonner à ma chaîne. Bon, allez, j'ai pas de chaîne, c'est vrai. Mince. Ok, ciao bye. Si mais Dany, tu m'éteins la lumière s'il te plaît. Oh. Bonne nuit, ciao bye si mais